Hey yo les gens, c'est Apredi. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de Disney Dinosaur. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas proposé de vidéo. Et comme vous pourrez sûrement l'entendre, j'ai enfin un micro potable. Enfin. Donc, on va pouvoir reprendre le rythme de la série. Cet épisode sera par contre plus court, parce que si je me souviens bien, c'est ouais, c'est bien ce niveau, il est chronométré. Ignorant la découverte d'Eladar, la Horde poursuit sa route vers la Terre des Nids, sous l'autorité de l'implacable Kron. Ouais, bon, bref, sans ton aide, ils n'arriveront pas à survivre autant de temps. Donc là, on peut voir en dessous des cristaux qu'il y a le time. Alors, vous me faites pas Que puis-je chier. faire pour toi? Donc, ce niveau, c'est clair que ce sera pas 90% les machins. Enfin, 100% plutôt, les objectifs. Pas assez de temps pour ça. Non, y a rien par là-bas. Ah oui! Bon, je vais quand même essayer de faire l'objectif de l'œuf. Ce sera déjà ça. Non, je peux pas ramasser le truc avec l'œuf. Est-ce que je peux. Ouais, non, on va aller direct. Alors si je me trompe pas, ça doit être quelque part par là peut-être. Ah non, là on va peut-être venir avec Zin histoire de prendre l'endroit secret et lui donner de l'XP. Et je crois pas qu'on fera autre chose comme secondaire. Ça rallongera un peu l'épisode au moins, c'est déjà ça. Non, parce que ce niveau, on peut aller. Je dirais 5 minutes. Ouais, 5 minutes, on le termine, hein, en 5 minutes. Et encore. Là, c'est parce que Quelle je commente, quoi. chance! Vous arrivez, vous jouez-vous. 3-4 minutes, c'est bâclé. C'est vraiment un niveau assez court qui sert à rien. À part avoir de l'XP. Je ne fais que passer. Ah, ok. Je reprends Flya. On prend ça. Est-ce qu'on peut buter cet enfoiré? Ah, j'arrive pas à viser. Viens ici. Viens ici! On peut réussir à le buter. Allez, on enchaîne. Allez, troisième coup, troisième coup, troisième coup. Comme par hasard, il va au milieu de la plateforme là où j'arrive pas à le toucher. Et il est pas con, hein. Bon, bah, plus tard peut-être. Peut-être avec une météorite comme ça. Totalement foiré mon coup. Totalement foiré mon coup. Ah, fait chier. Voilà. Ferme ta gueule. D'accord, j'arrête de rire comme ça, je promis. Allez. On va quand même se dépêcher de faire les objectifs. On aura peut-être le faire le temps d'en faire un ou deux. Par contre, il me semble que là, ça va être chiant pour je ne sais plus quelle raison. Oula. Oui, les météorites, ça va être chiant. Par contre, c'est qu'on va changer de perso pour faire un objectif. Faut faire gaffe aux autres qu'il n'y ait pas une météorite qui leur tombe sur la Que puis-je gueule. faire? Dois-je vraiment y aller? Oh là là. What? Attends, vous avez bien vu là. Je rêve pas. Et je vais vous mettre un ralenti là. Vingt Dieu, il a décollé quoi. Bon allez, comme on avait dit. Voilà qui devrait me réussir. J'achète. Putain, il y avait Gandalf quoi devant qui a fait vous ne passerez pas. Comme ça sans pression. Ah ouais, un petit fruit. Donc voilà, hein, Je ne Dinosaure fais nous que passer. apprend manger des fruits et légumes, hein, ça donne de la C'est mon vie. tour. Ça c'est bien du Disney. Oula.
J'ai cru que je m'étais foiré qu'elle allait se prendre la météore. Oula, all time. Un duel time. Oh non, putain, pas lui. Pas ce dino là. Alors c'est par là que je vais aller. Est-ce que c'est par là? Putain, faites que c'est par là. Ah non, c'est pas là. Ça c'est encore un truc secondaire. Ah là là. Ah, c'est par là. Merci à la mini-carte. Aïe. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Là, je sens que je vais me prendre une ou deux météorites dans la face. Dois-je vraiment y aller? Par contre, une fois, quand j'étais petit ici, j'arrivais jamais à faire le time. Mais à chaque fois, oui. Il se prenait une météorite, comme dans ce cas-là. Oui. Mais il mourait. Je Et du coup, il réapparaissait là, au point de contrôle. Et une météorite qui tombe sur la gueule à côté du point de contrôle. C'est le truc à s'en faire tuer, quoi, ici. Je vous jure comment je vais galérer. C'était horrible. C'est spawn kill météore, quoi. C'est même pas un mob ou quoi qui vous tue. C'est un élément du décor. Enfin, du décor. C'est une météorite. Qui tombe comme ça. Bon, allez, on va se dépêcher, là. On a plus le time, putain, je crois pas. L'épisode sera peut-être un peu plus long, je crois, parce que je vais me foirer. Alors, allez, les traces de la horde, les traces de la horde. Traces de raptor, traces de la horde. Hein? Ouais, on confirme. Ok, traces de la horde, c'est bon. On va passer par là. Putain, saleté de cadavre. Comme vous voyez, on avait dit que dans le dernier épisode, l'autre con, c'était un salaud. Eh ben... vous voyez? Il y a déjà deux morts, hein. Oui. On disait la moitié de la horde, hein. T'as encore heureux qu'on a trouvé de l'eau. Putain, le time, le time, le time. Ouais, cours, 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 cours. Allez, plus vite, trace de la horde, oui. Le raptor, j'ai pas le temps. Albert, j'ai pas le temps. Monsieur Albertosaur, j'ai pas le temps. Quoi encore moi? Oh! J'ai trouvé de l'eau. Eh, t'as pas envie de boire, toi? Oh, comme toi, ouais. Comme tes nerfs. Putain, mais Kron, quoi. Le salaud par excellence. Mais franchement, ce mec. Bon, bah les gens, je vous l'ai prévenu. Il fallait quoi, 9 minutes à l'épisode. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 8. Donc sur ce, ciao. Ciao Zou.